Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Cristiano Ronaldo au PSG. Mais avant de parler de Ronaldo qui est selon moi le meilleur joueur du monde, je t'invite comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît, mais surtout de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, c'est pour ne rien rater, je compte sur toi frérot. Et nous les mecs, on est parti pour parler de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Malgré la dernière sortie de Pavel Nedved, vice-président de la Juve, Cristiano Ronaldo pourrait finalement rejoindre le PSG durant ce mercato estival. Jorge Mendes, l'agent de la star portugaise, s'active dans ce sens. Lors de la victoire contre Cesena 3-1 samedi en match amical, le vice-président de la Juventus Turin a fait le point sur la situation de Cristiano Ronaldo. Il a évoqué les rumeurs qui annoncent Ronaldo dans les plans du Paris Saint-Germain pour remplacer Kylian Mbappé. Pavel Nedved s'est voulu très clair sur le sujet. CR7 n'est pas sur le marché, il revient de vacances lundi et il reste avec nous, a lancé le dirigeant turinois au micro de Sky Sport Italia. D'après les informations de Mundo Deportivo, l'ancien buteur du Real Madrid ne va pas évoluer sous le maillot de la vieille dame la saison prochaine. À un an de la fin de son contrat, le quintuple Ballon d'Or va quitter la Juventus Turin pour aller prendre la place de Kylian Mbappé qui va rejoindre lui le Real Madrid. Le journaliste Luca Momblano explique notamment que Ronaldo va faire son retour à Turin lundi pour ses examens médicaux et le début de la préparation, mais ne va pas rester à la Juventus la saison 2021-2022. Ce dimanche, Calcio Mercato assure que malgré la dernière sortie rassurante de Pavel Nedved, Jorge Mendes, l'agent de CR7, continue de discuter avec Nasser Al-Khelaifi et Leonardo en vue d'un transfert de son client au Paris Saint-Germain. Alors que le Portugais n'a plus envie de poursuivre l'aventure avec les Bianconeri, son représentant Jorge Mendes travaille sur la faisabilité de son arrivée dans la capitale française d'ici le 31 août prochain. En cas d'accord entre les deux parties, le PSG pourrait convaincre la Juve en incluant Mauro Icardi dans la transaction selon le média transalpin. Allegri, l'entraîneur du club italien, est un grand fan de l'international argentin de 28 ans et pourrait donc donner son accord pour l'opération. Voici en tout cas pour cette petite vidéo mercato sur le PSG, plus précisément sur Ronaldo à Paris. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Pense aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche. C'est très important, je compte sur toi frérot. J'ai envie de te dire à la prochaine. Salut!